Entrez, mes amis. Veuillez entrer. Il ne faut surtout pas rester dehors quand la nuit est aussi froide que ça. Comme vous le voyez, les paillasses viennent d'être refaites. Vincent. Oui, monseigneur. Mon bon ami. Je pense que là, vous pouvez fermer les portes de la cathédrale maintenant. C'est complet pour cette nuit. Est-ce qu'il y avait encore d'autres gens dans la rue ? Oh, monseigneur, la seule chose que j'ai vue attendre dehors, c'était des chiens. Ah, j'accueillerais très volontiers des chiens si je le pouvais. Et mon frère, qui donne tout ce qu'il a, aux indigents et aux malades. Ce qui fait, ma chère, que nous nous retrouvons plus pauvres que les pauvres. La seule chose à laquelle je ne m'habitue pas est qu'il exige que la porte de la maison ne soit jamais fermée. C'est assez dire que si le diable... Vous avez entendu, madame Magloire ? Oh, ça doit être monseigneur qui rentre. C'est assez dire que si le... On m'a dit que je pouvais rentrer ici, que j'aurais de quoi manger, un lit pour dormir. Mais pas ici, c'est à la cathédrale. Je suis pas un voleur, j'ai de quoi payer. J'ai de l'argent, je peux payer. Mais voyons, c'est beaucoup trop, mon ami. Vous êtes chez vous dans cette maison autant que je puisse l'être. Depuis quand est-ce qu'on doit payer pour pouvoir se restaurer dans sa maison ? La bonne madame Magloire, c'est lugubre ici. On n'y voit rien autour de cette table. Vous voulez bien aller nous chercher des chandeliers? Et pendant que vous y êtes, s'il vous plaît, remplacez ces horribles couverts par notre argenterie. Veuillez avoir la gentillesse de nous excuser de cet accueil improvisé. Vous savez, j'ai pour habitude de loger mes frères les pauvres dans la sacristie, mais ce soir, il ne reste plus une seule paillasse. Mais enfin, on ne serait pas plus mal ici. Oui, je sais. Je ferais mieux de vendre toutes ces belles choses pour en donner le produit à nos frères déshérités. Mais d'un autre côté, il faut bien dire que c'est tentant de garder quelque chose d'un peu précieux lorsqu'on a un invité comme vous et qu'on tient à lui faire honneur. Je suppose que Monseigneur va aussi vouloir du vin. Monseigneur ? En effet, je suis l'évêque de Digne. Mais ne vous croyez pas obligé de me donner du Monseigneur pour autant. Mes pauvres m'appellent mon père, ou alors ils ne me donnent aucun titre. Cela dit, le titre ne fait pas un homme. Ça dépend du titre. Moi, j'en ai un dont je me débarrasserai jamais. Ancien forçat. Un bagnard. Vous étiez arrivé au terme de votre peine ou vous vous êtes échappé? Oh, pour la différence que ça fait. C'est moi qui étais maladroite, monsieur. J'ai sursauté de façon stupide. Et je vous prie de m'en excuser. L'important n'est pas d'où vous venez, mais où vous avez l'intention d'aller, quand vous vous serez refait une santé, bien sûr. Avant d'être envoyé à Toulon, j'étais émondeur. Je taillais des arbres. Nous avons de très jolies forêts dans la région. Si un emploi de bûcheron vous intéresse, je pourrais vous... Non, vous pourrez rien du tout. Personne n'emploiera jamais un ancien forçat. Ne vous découragez pas avant même d'avoir... Ce qui me décourage le plus, ce sont les autres. Les braves gens, les honnêtes gens, comme on dit. Mais bon, tout le monde est comme ça, hein. Je ne peux rien y faire. Personne ne changera. Dieu change les choses. En se servant de nous, Dieu change les choses. Madame Magloire, la soupe. On va vous préparer un bon lit. Ma chère madame Magloire, vous sortirez les draps blancs pour monsieur. C'est moi que vous appelez monsieur ? Vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Plus personne ne le connaît. Même moi, à force d'être un numéro, j'ai failli l'oublier.
Est-ce que c'est toi, Baptistine? Serais-tu malade? Tu veux que je vienne? Couverture. Je vais les mettre avec les autres. S'il te plaît, va donc voir ce qui se passe, Vincent. Oui, monseigneur. Allez. On vient d'arrêter un voleur, monseigneur, lors d'un contrôle de routine aux portes de la ville. Vous admettrez qu'il a la tête de l'emploi. Vous reconnaissez votre bien? C'est à vous, n'est-ce pas? Il y a vos initiales là-dessus. Oui, c'est exact, messieurs. Ceci m'appartient. M'appartenait, devrais-je plutôt dire. Pourquoi ne leur avez-vous pas expliqué? Expliquer quoi, monseigneur? Que je lui avais donné ses couverts. En effet, oui, c'est ce qu'il prétendait, mais... Mais quoi? Cet individu a un passeport jaune, monseigneur. Il s'agit d'un ancien forçat, et c'est un homme dangereux. Et c'est la raison pour laquelle vous doutez de sa parole. Et les chandeliers? Chandeliers? Oui, les deux chandeliers en argent. Je vous les avais donnés aussi, vous ne vous rappelez pas? Mais ce n'est pas grave, mon brave homme. Nous allons de ce pas les chercher. Enfin, aussitôt que ces messieurs vous auront libéré. Monseigneur, c'est l'heure de la messe et... Ne vous inquiétez pas, Vincent. Notre Seigneur a l'éternité tout entière devant lui. En revanche, monsieur a probablement hâte de poursuivre son voyage. Argent massif. Exactement comme les couverts. Je compte sur vous pour en prendre grand soin. Vous voulez ouvrir votre sac? Vous savez, ma mémoire est excellente. Et je ne suis pas encore gâté. Je sais parfaitement que je ne vous ai pas donné ces couverts. Vous les avez volés. Et vous auriez aussi volé les chandeliers, si vous n'aviez pas été dérangé. Et peut-être même que vous m'auriez égorgé, si j'avais appelé au secours. Car vous êtes entré dans ma chambre, hein? Vous aviez un couteau à la main, n'est-ce pas? J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Je priais. En pleurant? Prier et pleurer sont deux actions qui sont très similaires. Le couteau, c'était seulement pour vous faire peur, pour savoir si vous aviez de l'or caché. Je suis pas un assassin. Si j'avais de l'or, je vous le donnerais aussi. Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Mais pour vous racheter. Je suis pas à vendre. Après 20 ans de bagne, je suis un homme libre. Je vous parle de votre âme. Ce n'est que votre âme que j'ai rachetée aux puissances du mal. Mon âme. Pour le prix de deux chandeliers. Comment vous vous appelez? Valjean. Jean Valjean. Dorénavant, nous nous trouvons sur la même route, tous les deux. Et cette route-là s'appelle la route du bien. Ce n'est pas une route facile. Il est possible que vous trébuchiez. Mais il n'y a rien de plus admirable qu'un homme qui décide de reprendre le droit chemin. Je vous laisse. Je dois aller dire ma messe. Je prierai pour vous. Rappelez-vous une chose, vous êtes un homme libre et je le suis aussi. Merci, monsieur. Tiens, vois que tu dis merci. Pour sûr, monsieur. Sans vous, je sais pas où elle aurait filé. Ben, tu parles de quoi, petit? De ma pièce, monsieur. Ma pièce de 40 sous. Où est-ce que tu vois une pièce de 40 sous, toi? Sous votre pied, monsieur. Sous mon pied, il y aurait une pièce de 40 sous. Elle a roulé, vous avez un pied dessus. Faut me la rendre, monsieur. Tu m'embêtes avec ta pièce de 40 sous. Il y a rien sous mon pied. Il y a que de la terre, des graviers, il y a rien. Vous pouvez pas me faire ça, monsieur. C'est mon argent. Je serai à mon heure. C'est dur comme métier.
Des fois, on peut tomber du toit T'es pas tombé puisque te voilà debout sur tes pattes. Même que je te conseille de t'en servir, et vite. Avant que je me fâche pour de bon. Vite! Voleur, sale voleur! Ça vous portera malheur! Toute votre vie, ça vous portera malheur! Petit! Je l'ai retrouvée, ta pièce, petit! Elle est là!